Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 24 de Zapcast. Nos deux invités d'aujourd'hui n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils filment tout leur délire depuis leur plus jeune âge. Julien présente Jules Fou, les réflexions d'un geek devant sa caméra. Depuis peu, il présente avec son pote Charlie, le Zub, le podcast qui en dit long. Nous avons reçu ces deux jeunes bretons pour une interview sans phare. Alors ne perdons pas une seconde de plus, lançons l'émission! Salut Charlie, salut Julien. J'ai inversé, c'est normal, c'est tout à fait logique. Bah, merci d'avoir répondu à notre invitation depuis le temps qu'on vous suit, qu'on vous a sur notre radar. Merci à toi. Ça fait plaisir de vous recevoir, ça va bien? Ça fait plaisir de se faire recevoir, ouais. sans mauvais jeu de mots. Voilà, ça voilà. Va très très bien. C'est la question 2? Question 2, ça va bien. Ça va. Bon, alors salut, hein. Allez, à la prochaine. Allez. Hein, bah, merci sympa, beaucoup cool, et à bientôt. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas? Voilà, moi c'est Julien. Ouais. Non, ouais. Ça fait longtemps que je connais ce gars-là. Ouais. Il s'appelle Charlie, voilà. Ouais. Je te présente aussi. Et on a fait des vidéos depuis qu'on est au lycée, quand même, depuis la seconde, ensemble. L'année dernière, quoi. L'année dernière, il y a deux ans. et voilà, on a fait d'autres vidéos même avant aussi, mais on ne pourra jamais. Celle de seconde, Je lisais sur ton CV, ta première caméra, tu l'as eu à 13 ans, c'est ça? Ouais, c'est 13 ans, ouais. Enfin, elle était pas à moi, elle était à mon père. Hein. Enfin, après, elle est vite devenue à moi, du coup. Les premiers délires caméra, c'était super tôt, ouais. C'est ça. Donc, on s'est connus assez jeune, on a commencé vite à faire des trucs nuls. On essayait de faire des trucs bien, mais c'était souvent nul. En fait, le principe, c'était c'était notre trip et on se retrouvait une après-midi, sans vraiment d'idée, et on se disait, on va tourner quelque chose. L'activité de l'après-midi, on jouait pas au foot, on faisait des films, ouais. C'est ça. Ouais. Mais donc, on s'est connus comme ça, et ensuite, de fil en aiguille, moi, j'ai fait des études là-dedans, lui non. Moi je me suis dit tiens peut-être que j'en ferai mon métier lui aussi, mais il a décidé de pas faire des études. et voilà, moi récemment j'ai fait des podcasts avec Jules Fou, ouais. Tous les deux on a créé le Zub, donc l'émission avec un nom du coup. Pas l'émission voilà. Sans nom. Salut les copains. Et voilà, on a sorti la première et la deuxième, je sais pas quand est-ce que vous allez diffuser ça, mais peut-être qu'elle sera sortie, on espère. Hein, parce que... Ah, teaser. un peu de retard, c'est un petit terme. Hein. Ah mais du coup, qui c'est qui présente la première? Parce que c'est important quand même pour ouais. La première. On tire la courte paille. Ouais. Mais du coup, on n'a pas de paille. Ouais. Ok. Petit Zob, pas de présentation du Zob. Ça tourne? Ok. Salut les loulous, bienvenue pour cette première édition du Zob, l'émission qui en dit long. Donc deux émissions, Jules Fou et le Zob. Est-ce que vous pouvez rapidement faire le pitch des ouais. Les concepts des deux émissions? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce que quoi? C'est très différent. Jules Fou, moi, c'est des podcasts où vraiment je suis dans ma chambre, enfin ce qu'on appelle podcast hein, mm-hmm. maintenant, mais où je suis dans ma chambre et c'est une suite de réflexions un peu absurdes sur les questions que je me suis toujours posées étant gamin notamment sur tout ce qui est geek, etc. Voilà, sur un ton un peu benêt, en prenant un personnage un peu bêta, disons. Sérieusement, dans Titanic, il y avait la place pour deux quand même sur cette porte, non? Et le Zub, c'est totalement différent. Le Zub, c'était juste un concept un peu novateur, on essaie de trouver un concept sympa, de parler en fait des choses sur internet dont personne ne parle, parce qu'on est un peu geek, faut le dire. Ouais. Et du coup on a quand même des lubies de se trouver des choses sympas, et on a voulu les faire partager, faire une émission avec un principe un peu différent. Mm-hmm. Et toujours sur un ton décalé, parce qu'on a toujours fait des vidéos dans le principe de faire rire, quoi.
Donc voilà, le principe. Mais l'idée, c'était ça, c'était de partir. Enfin, nous, on aimait beaucoup plein d'émissions qui se faisaient sur le net, comme tout ce qui était Rewind, tout ça. Ouais. Mais ce qu'on trouvait dommage, c'est que nous, en tant que geeks, souvent, on se retrouvait à voir des vidéos qu'on avait déjà vues. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, ah, c'est dommage, c'est des super trucs, mais du coup, pour les gros geeks, ouais, c'est un peu frustrant. Et donc, du coup, on essayait de prendre le concept vraiment dans l'autre sens et de se dire, voilà, on va proposer que des trucs que personne ne connaît. Que personne n'ose traiter. Voilà, ouais. Quitte à proposer des trucs nuls, on en joue des fois, on propose des trucs, on se fout, c'est l'objectif. Et ou alors justement, l'objectif principal, c'est quand même aussi mettre en avant des gens qui font des trucs très bien et dont on parle pas assez. Et du coup, on reçoit Samantha. Samantha. Ah, mais c'est ma meuf, ça. Hein? Mais c'est Samantha, ma copine. Enfin, elle voulait venir voir comment ça se passait, tout ça. C'est PV Nova, notre invité. Salut. En tout cas, c'est pas mal le Sgeg. Hein. Attends, l'émission s'appelle le Sgeg? Non, c'est le Zub. Comment ça se passe la création de l'une et de l'autre émission? Est-ce que vous écrivez ensemble? Est-ce que, enfin, par exemple, on va prendre dans l'ordre. Sur Jules Fou, est-ce que tu écris tout seul? Oui, même si du coup, il y a les deux derniers en date, enfin, niveau tournage, on va passer sur les détails chiants. Mais en gros, c'est sur le synthé et sur Mega Upload, mm-hmm, je co-écris avec Valentin, avec c'est Valentin, ça ouais, qui joue dans ouais, ouais. Et donc voilà, donc on a co-écrit celle-là. Mais sinon, oui, c'est tout seul chez moi la nuit, tard. D'accord. C'était quoi leur délire aux mecs qui ont inventé les synthés? Et voilà, son de Kazoo. Et voilà, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, non? C'est pas fini. C'est ouais. Parce qu'on vient quand même de faire le tour des instruments papouais norvégiens. Il y a quand même peu de chance qu'il y ait un gars qui ait besoin de plus de son. Oui, non, mais enfin, c'est pas. Non, mais déjà la sonde guimbarde, c'était pas vraiment pour. Oui, mais enfin, c'est pas la question. Le visuel est imprimé, on a 300 sonorités à rentrer. Alors bon, ben voilà, 143, bon, avec ouais, le Kazoo, 144, voilà. Il en reste plus que 156. 156 instrument? Ah non, instrument, tout de suite, l'autre. Non, okay. Non, 156, ce son, bruitage. Ouais. Ça, c'est bien, ça. C'est un là, ça. Plus haut. Et sur le Zub, là, tu rentres aussi dans le processus d'écriture. On écrit tout à deux. En général, c'est souvent aussi, ouais, on a adopté une technique de Google Doc partagé pour avoir des idées. Pas. Ouais, qui marche très bien. Et en général, on se retrouve souvent une soirée, puis se faire la veille. Ouais. Super bien préparé, quoi. Voilà, ouais. On essaie de faire ça bien, mais du coup, on dort pas beaucoup. C'est vrai que le côté invité sur ce type d'émission, ça nous booste à faire des rondes bien, ouais, de préparer des choses. Et je pense que s'il n'y avait pas d'invité, on serait encore plus à l'arrache que maintenant. Et pour information aussi, juste, Valentin commence à écrire aussi avec nous maintenant sur le job. Oui. Donc l'équipe commence à s'étoffer, ouais, justement en termes d'équipe. Il y a des gens qui vous aident sur les tournages. Ouais, on a notre pote, en fait. Beaucoup, je sais pas combien on est. Comment on a du coup. Ce qui est amusant, c'est ce que me disait Axel l'autre jour. Bon, peu importe, je cite des gens, salut à eux s'ils nous regardent. Mais ce qui est amusant, finalement, c'est que du coup, en fait, on a un peu gardé la même équipe que quand on était. Enfin, là du coup c'était pas la seconde, c'était un peu plus tard, mais ouais, les petits ouais, films qu'on faisait avec ces gens-là, finalement on les a gardés, ce qui fait que donc Quentin qui fait l'image sur le Zub, il faisait déjà des films avec nous il y a déjà 3-4 ans maintenant, quoi. Ouais. Donc on a gardé ça, et Guillaume qui fait le making of aussi, il a toujours fait des films avec nous. Et... Ouais, donc il y a une confiance, il y a des méthodes, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer en long. C'est vraiment une équipe de potes, ouais, on est entre potes, ouais, voilà, c'est cool, c'est ouais, sympa, quoi. Il y a une bonne ambiance sur le tournage en général, ça c'est cool. Ouais. C'est le but. Invité qu'on n'a jamais c'est le but, vu, quoi. Si on savait ouais, pas, ça, ouais, ça serait dingue. Bah ouais, de ouais, toute ouais, façon, c'est clair. Coucou les loulous, bonne année 2012. Loulou et coucou. Ah non, j'ai déjà fait le lancement. Ah bon? Ouais. C'est pas une très très bonne idée de tourner le lendemain du nouvel an. Aujourd'hui, on reçoit PV. PV Nova. PV Nova. C'est la fête. PV Nova. Justement, sans trop dévoiler, enfin si on peut peut-être en parler, la prochaine émission ça sera avec François Descraques. Ouais. François Descraques qu'on a reçu hier pour un tournage d'une autre émission et qui nous a parlé un peu justement de vos méthodes
de travail. Oula. Et qui nous disait que il avait été vachement impressionné, ce qui quand même venant de François Descraques, c'est pas de la gnognotte, par le fait que vous scriptez énormément, enfin vous scriptez tout en fait, tout est écrit, vos sketchs sont super bien rédigés, pratiquement à la virgule près. Ouh là, il s'est emballé. Alors est-ce que du coup vous vous accordez une part d'impro dans le zub t'as l'air de pioche de la tête, donc à mon avis t'étais chaud là. Non, c'est vrai qu'on a pas mal d'idées. Il y a pas mal de choses qui marchent en fonction du public ou pas, même pour les interviews. Ouais. On écrit beaucoup de questions et en fonction des réponses, on prend celles qui marchent le mieux. D'accord, donc on écrit pas mal de choses et en fait on fait un tri après. Et même des fois sur des idées, c'est de l'impro aussi total. Ce que disait Julien, c'est que par exemple sur l'épisode de Descraques, il y a un petit passage où c'était pas du tout prévu et c'est dans le tournage, on l'a fait, on l'a gardé. Et c'est parti en live et finalement vous l'avez gardé au montage. C'est vraiment du feeling. Salut François, ça t'intéresserait de faire le zub ? Bonjour François, ça va ? Oui. Combien de temps généralement pour une émission qui fait rarement plus de 10 minutes ? Là, 6, ouais, c'est 6 la première. Ouais. On va essayer de faire 5. Mais, combien de temps de tournage en tout ? Super dur à évaluer parce qu'on n'a jamais tourné comme entier. À chaque fois, on a tourné la partie invitée, du coup, à chaque fois entier, forcément. Et on s'est toujours retrouvé à jauger les raccords aux cheveux pour essayer de retourner la suite après. Le petit jeu, c'est sympa, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui a été tourné quand. Ça peut se faire assez facilement. Voir des cheveux qui poussent, des barbes qui poussent. Des bons puzzles. Des gens qui grandissent. Mais non, c'est. Dans général, on fait une partie invitée et une autre partie plateau. Alors, du reste, en fait, on fait ça en deux fois, quoi. Ouais, voilà. Du coup, évaluer, c'est pas évident, mais je dirais en tournage, on est sur une journée complète si vraiment on s'y prenait bien, mais souvent c'est deux, du coup. Et l'écriture, on va compter deux jours. Enfin après ça s'étale sur toutes les soirées donc c'est pas évident. Ouais, surtout après sur toutes les séquences où il n'y a pas d'invité, vous enfin tous les deux, vous êtes à Paris tous les deux, vous pouvez faire des raccords rapidement comme ça. C'est vraiment une émission qui est tournée à droite à gauche, qui a écrit petit à petit. On tourne chez moi, il n'y a pas de voilà. C'est difficile de donner des chiffres parce qu'on fait vraiment ça le soir en fait finalement après notre boulot donc du coup Surtout qu'on a effectué une partie. Ouais. Sur le nez. Mais non, deux peut-être, on sait pas quoi c'est. Ah oui, deux. On va prendre du temps pour le montage. Merci. Mais par contre, les gens sur internet ils sont un peu forts. Hein. Ça va vite. Et tu rames là, mec. Hein ? Attends, je te reboot. Vous avez participé, enfin surtout toi Julien, je sais pas si toi Charlie, mais vous avez récemment participé à Amazing, Zapping Amazing, c'est ça ? Oui, moi, et lui il a oublié de prendre sa place. Ah. au début j'avais une place. Et... grosse soirée organisée au Rex à Paris, qui réunissait un peu tout ce qui se fait de mieux chez les humoristes du web, on va dire ça. J'espère, ouais. C'était quoi un peu le principe de cette soirée ? C'était un zap vidéo de plein de gens du web. On était 10 artistes je crois. Il y avait 3 groupes aussi qui venaient plus ou moins du web aussi. Et l'objectif c'était de faire une grande soirée du coup au Grand Rex qu'on a rempli, du coup c'est chouette. Et voilà, en faisant petit mélange de vidéos inédites, vidéos déjà diffusées, avec aussi des petites interviews sur scène. Et voilà, parce que nous on voulait essayer de faire un peu de scène aussi, ça nous faisait plaisir de faire ça puis tous ensemble en plus. Ouais. Du coup on a fait un peu de scène entre les passages vidéo, il y avait plein de surprises, plein de trucs. Le but c'était de faire une grosse soirée, un petit peu comme la nuit des Publivores. Les Publivores, c'est un peu le principe. L'idée était un peu la même, voilà. Mais puis c'est une super opportunité de rencontrer son public aussi, non ? Bah ouais, parce que l'internet c'est bien, mais on voit jamais réellement les gens qui nous regardent. C'était chouette, et justement on a pris un peu, on s'est rendu compte justement de l'ampleur que ça avait pris, on en parlait tout à l'heure, mais. C'est que maintenant Norman Cyprien c'est tout bifric, quoi. C'était assez ouf, surtout que voilà, dans le public il y avait beaucoup de gamines de 14 ans, 13 ans, qu'on salue aussi, c'est bon qui regarde. Gamines c'est un peu méchant, mais elles sont très gentilles et c'était drôle, c'était chouette. C'était bien, c'était chouette, on peut finir. C'était chouette. On l'utilise pas, mais on l'utilise quand même. Justement, quel rapport vous entretenez avec vos
alors on va dire confrères qui font un peu comme vous des vidéos d'humour sur le web. Ouais. Norman, Cyprien. On est amis, je pense que ça résume bien le truc. Enfin, avec tous, je sais pas, on les connaît pas tous. Mais ouais. C'est vrai que c'est un petit milieu, c'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'on vient tous, du même endroit un peu, mais de notre chambre plus ou moins pour arriver, enfin, on sait pas où, mais on veut arriver loin. Et le plus loin possible en tout cas. Et du coup, c'est cool quand on ressent tous la même énergie. Mais il y a des phénomènes de concurrence ou de copinage. Il y a des gens avec qui ça clique tout de suite ou d'autres avec qui il n'y a pas plus de temps que ça. Je trouve que Jérôme de la ferme Jérôme est un connard. Après, c'est lui qui l'a dit. Non, je rigole. Non, mais justement, il y a des entraides, il y a des apparitions dans des podcasts et tout. C'est vraiment. Oui, il y a des crossovers souvent. Justement, Jérôme, donc, qui est un connard, il sera dans le Zap 2. Ouais, c'est un gentil connard. C'est un gentil connard. Il vient faire un petit truc dans le Zap 2. Voilà, c'est avec son grand copain. Balancez pas, du coup, il est sorti le 2. Pardon, excusez-moi. Ah, tu t'y perds. Il est sorti le 2, c'était bien. Il était bien, Jérôme. On n'en parle pas assez. Classé dans le top 50 des inventions 2011, selon le Times, le Lightro est enfin disponible. Et là, vous vous dites, et dis-moi Charlie, mais le Lightro, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un appareil photo dit plénoptique. Julien, ça veut dire quoi, plénoptique? Ah bah, plénoptique, si tu veux, ça veut dire que tu peux prendre une photo et faire la mise au point après. Tu vois, par exemple, l'autre jour, j'étais chez ma tante, je prenais en photo son chausse-pied, mais en fait, il y avait Fripouille derrière, et je pouvais faire le point sur lui. Et c'est vrai que vu que Fripouille, il est plutôt gros et moche, bah, ça faisait une photo rigolote. Ah, c'est bien ça. C'est un produit révolutionnaire. Fini les photos floues. Mais t'arrêtes ton téléachat là. C'est pas du téléachat. Fini les photos floues et bonjour les photos nettes pour seulement 400$. Ah ouais, t'as raison. Combien? Justement, par rapport à cette soirée, est-ce que c'est pour vous, c'est vraiment le reflet, enfin les gens que vous avez pu rencontrer, le public que vous avez pu rencontrer cette soirée, est-ce que c'est vraiment les gens que vous imaginiez vous regardez régulièrement ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes, d'autres profils, grosso modo, de gens qui vous... Est-ce que déjà vous avez une idée des personnes qui vous regardent régulièrement? Oui, à peu près, ouais, avec les ajouts Facebook. Ouais, avec Facebook, avec l'âge qui tourne autour de 13-14 ans. Moi, ça dépend, ça dépend des choses. Il y a les podcasts et il y a le Zub, je pense, c'est pas forcément le même public. Ouais, c'est un peu plus large, peut-être le Zub, mais dans l'ensemble, ouais, c'est quand même des ados, quoi, mais on est content de ça, quoi, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est beaucoup d'ados, même au Zap aussi, c'était beaucoup d'ados. Enfin, je suis seul à dire Zap, tout le monde se fout de ma gueule, apparemment, il faut dire ZA. Au ZA, il y avait beaucoup d'ados. Ah ouais, Zapping Amazing. Mais tout, on se fout de ma gueule. Non, mais t'inquiète pas, je te comprends. Il y avait beaucoup d'ados, mais il y avait beaucoup d'ados. C'était chouette. C'est beaucoup d'ados, c'est un public de jeunes. Quoi. Par rapport aux réactions, aux commentaires que vous pouvez avoir sur vos différentes vidéos, vous sentez quand même que les gens reviennent régulièrement ou c'est juste des coups comme ça est-ce qu'il y a une vraie fidélisation quand les gens vous ont découvert, ils parlent de vous autour d'eux et la communauté grossit comme ça Par exemple, avec le ce qu'on parlait tout à l'heure, le crew du début du lycée qu'on avait, qui s'appelle Cloug. C'était Cloug Production et Production. Ouais. Et on avait des quelques fans en fait, pas beaucoup. Et il y a encore des personnes qui nous disent qu'on vous suit depuis le début. Et c'est marrant quoi. Ils aimeront bien ce qu'on fait. Les gens aiment bien. Je pense que les gens s'identifient en fait quoi, parce qu'au final on est juste comme eux. C'est juste qu'on a pris la caméra, on a fait un montage et puis il y en a beaucoup à le faire. Et du coup les gens aiment bien s'identifier et se dire moi aussi je peux faire des vidéos. Il y en a beaucoup d'ailleurs avec les podcasts. Il y a eu beaucoup de podcasts faits à la suite de Norman et de tous ces gens là. Et les gens aiment bien suivre ces gens là quoi. Maintenant même Norman et tous les plus grands maintenant ils font des trucs exceptionnels et je pense que les gens sont contents de voir que ils sont partis de leur chambre comme eux regardent les vidéos de leur chambre quoi. Donc les Worms, c'est des vers de terre qui tirent au bazooka. Pac-Man, c'est un camembert qui mange des fantômes. Lara Croft est beaucoup trop bonne pour être vraie. Et dans Zelda, on doit jeter des poules. Après, on parle beaucoup de drogue dans le milieu de la musique, mais dans le jeu vidéo, il y en a des bons aussi. Justement, tu parlais de Cloug Prod. Ouais. Moi, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est une vraie entité de production? Non. C'est une sauce? En fait,
C'est vrai que le production, il ah oui, il met tout de suite la barre. Le production, ouais. il vient du fait qu'on a créé ça à 14 ans. Ouais. D'accord. Et le, voilà. C'est t'as peur de rien. On cherchait un nom, parce que le délire, c'est les vidéos. On cherchait un nom et on était évidemment fan de Perlette Nordure. Ouais. Et du coup, le slogan, c'est de la merde, le nom, c'est Cloug. Ça collait pas. On était content de pouvoir le mettre à la fin, parce qu'on savait qu'on faisait pas des trucs fantastiques. Du coup, le fait de mettre ça, ça nous rassurait. On savait que les gens disaient, ah, c'est de la merde. Mais on fait Cloug. C'est bon. Ça désamorce. C'est bien, ouais. Alors, un mot qui fait souvent polémique, vous considérez que vous faites du podcast ? Est-ce que vous dites que vous faites du podcast ou pas ? Parce que voilà, il y a polémique, les gens disent le podcast c'est pas ce qui passe sur YouTube ou Dailymotion, le podcast c'est des gens qui font des émissions régulières auxquelles on peut s'abonner sur iTunes, machin, avec un flux RSS et j'en passe, c'est les meilleurs. Je sais pas si toi tu utilises, moi j'utilise le terme, mais c'est vrai que moi je savais bien aussi que ça venait de toute cette histoire de téléchargement et tout. Ouais. Je suis pas spécialiste de la question, qu'à la base, visiblement, voilà, à la base c'est ça. Ouais. Et moi après maintenant je l'utilise en tout cas dans mon vocabulaire, enfin je l'ai dans mon vocabulaire parce que justement les gens le connaissent pour les gros buzz de Norman et ça, type podcast, fait des films devant ça. Ça s'est banalisé comme ça, je pense. C'est devenu c'est un vrai terme. C'est vrai que le podcast, c'est un peu le terme pour tout. Je sais même quoi, pas s'il était très défini à la base. Je peux peut-être me jeter des pierres, mais je sais pas si c'était ultra défini. On jette des pierres. C'est vrai que c'était ultra défini. Pour moi, à la base, le podcast, c'était plus c'était plus audio en fait. Ouais. Au début, c'était une émission audio. C'est vrai. Il serait comme moi aussi, c'était plus ça. Préparable du langage. Je sais que maintenant, tu dis podcast à quelqu'un. En fait, maintenant, grosso modo, c'est un terme pour pas dire production audio vidéo diffusée par internet. Le terme a changé de sens et puis il fallait bien appeler ça d'une manière quoi. Du coup, c'est bien d'avoir trouvé un mot. Sinon, Cloug, c'était pas mal. Cloug, on aurait pu appeler ça des Cloug. Norman fait des Cloug. C'était bien ça. C'était pas mal. Si tu me regardes, normal. La télé, par rapport au web, tout de suite, ça a été... Enfin, il y a forcément un accès plus facile sur le web parce que voilà, tu postes et puis... On n'a pas web-server, on n'a pas une télé. Mais grosso modo, est-ce qu'aujourd'hui, si la télé vous fait des appels du pied, vous y répondrez Faites des appels du pied. Non, oui, évidemment. Enfin, on est contre rien. Si on nous propose un jour de pouvoir vivre de ces émissions-là, évidemment qu'on dira oui, puisque c'est chouette quoi. De faire des choses, c'est chouette. Nous, on est content de les proposer gratuitement aux gens. Mais après, de pouvoir en vivre, on sait que si demain on peut en vivre, on pourra en faire plus. On pourra en faire plus de choses. On pourra faire plus de choses qu'on aime bien. Avec plus de choses. Et donc évidemment, on essaye de se rapprocher de ce modèle-là et d'essayer de pouvoir en vivre. Mais si par contre la télé vous propose de l'argent et que vous puissiez vivre de vos productions, mais par contre, il vous impose un cahier des charges qui ne répond pas vraiment à ce que vous souhaitez faire. C'est en fonction de tout ça, quoi, parce qu'on veut garder notre liberté et notre création, quoi, parce que sinon, c'est pas la peine de faire quelque chose. Non, c'est sûr qu'il faut trouver un juste milieu. C'est le problème, visiblement, souvent en télé. Après, je sais pas si on dramatise pas un peu le truc, mais peut-être qu'ils font peut-être pas assez confiance aux gens. Problème de reformatage. Peut-être. Mais en même temps, il y a moyen de gagner sa vie maintenant sur le web, donc il faut essayer de. Faut juste trouver les modèles économiques pour que ça marche. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est ça, essayer d'en vivre, ça serait bien. Mais après, de quelle manière, peu importe, du moment qu'on continue à faire les choses qui nous parlent et. Et que vous continuez à vous amuser, quoi. L'objectif, c'est de faire un faux boulot. C'est des flemmards, les gens qui bossent dans le spectacle, ils veulent s'amuser et être payés pour. Salaud d'artiste. Si demain on est triste d'aller au travail, c'est quand même dommage. On nous martèle que le téléchargement tue la musique, surtout les petits artistes, mais en même temps, sans le téléchargement, on n'aurait jamais connu Grégoire, par exemple. Ça aurait été dommage, quand même. Toi, plus toi. C'est chiant, Et puis franchement, le téléchargement tue les artistes. C'est bon, j'ai essayé. J'ai chopé tous les liens de l'album de Colonel Riel, j'ai tout téléchargé 6 fois. Rien à faire.
L'arrivée du Zub, est-ce que ça marque la fin de Jules Fou ou est-ce que vous allez continuer les deux émissions en parallèle, en alternance? Ouais, déjà Jules Fou, moi je ne considère pas ça comme une émission, du coup, ouais. C'est presque trop pro. Même déjà le Zub, enfin si c'est une émission, mais émission, ça fait télé, c'est moche comme terme, je suis désolé. Sur la page Facebook, on ne voulait pas mettre cette émission, parce qu'il n'y avait que ça dans les... Je crois qu'on est obligé, on a mis émission télé, c'est émission télé en plus, je crois. Ouais, ça, ouais. Mais non, ouais, les deux continuent, de toute façon j'ai refait un podcast depuis le Zub 1. Ouais. Peut-être plus une évolution d'ailleurs, une évolution du format podcast. De sur Jules Fou. Ouais. Ah, tu veux dire ouais. Du format, genre t'avais prévu parler d'une émission. Ah oui, pour Jules Fou, ouais. Ah oui. Oui, mais ça fait un moment que je le dis et que du coup ouais. J'ai pas fait. Mais ouais, je vais sûrement en faire d'autres sous cette forme-là, mais j'avais prévu une petite V2 ouais, avec un autre look un peu pareil, qui se rapproche du Zub, mais un look un peu plus classe, plus pro que le mec qui parle juste dans sa chambre en gros. Mm-hmm. Quoi. On aimait bien essayer de se détacher par le visuel un peu, voilà, montrer un truc ouais, un peu plus clean, pouvoir faire des mises en scène plus sympas, des choses plus sympas. Ouais, même niveau de l'habillage et tout, ouais. Moi il y a zéro habillage quasiment sur le Fou, je voulais essayer de faire ouais. Un petit habillage, un truc. Mais voilà, après ça prend tellement de temps et puis c'est tellement pratique, c'est l'avantage de le Fou, c'est que c'est tellement pratique de faire juste poser son fisheye et raconter tout ce qui me vient par la tête, tout ce que j'ai écrit la veille. Et voilà, c'est tellement facile et ça se monte très vite et ouais. Ça se publie très vite que du coup c'est ça qui est agréable en fait dans le Fou. Donc du coup, D'ailleurs, super habillage, je sais pas qui l'a fait, mais super habillage sur le Zub. Bah bravo, franchement. Tout, Ah oui, c'est vrai. Et le contour, super beau. Charlie a placé sur Photoshop les objets geeks qu'on a mis autour de l'habillage, qui sont là pour cacher la misère. Cette semaine sortait le dernier film avec Jesse Eisenberg, 30 minutes maximum. 30 minutes maximum, c'est un homme, une bombe et 30 minutes pour faire un braquage. Un pitch plutôt aguichant pour un film visiblement plutôt mauvais. Voilà, donc cette semaine, plutôt que d'aller au cinéma, restez plutôt chez vous à regarder un bon DVD de type Branded de Peter Jackson. Bon film. Mais de toute façon, après, c'est vrai que le Zub, pour le moment, c'est ce qu'on fait, mais on a toujours du pro, on a toujours des idées, toujours des projets, et de toute façon, on aura toujours des trucs à faire, toujours des... Ouais. C'est ça le problème, c'est le temps de les faire. C'est ça, ouais. C'est ça que c'est bien de pouvoir en vivre, parce qu'on a le temps de réfléchir aux choses. Alors justement, on lance un appel, écoutez. Bah oui, aidez-les, vous voyez bien qu'ils sont en détresse, ces deux pauvres garçons. Justement, parlons des projets. Vous avez. Ça bouillonne là-haut ou... Bah, ça fait longtemps, en fait. Enfin, ça fait longtemps qu'on écrit plein de choses et qu'on n'a pas le temps. Même le Zub, ça fait vraiment trop longtemps qu'on se disait qu'on voulait faire une émission. Il y a un petit concept, un soir comme ça qui est venu et on s'est dit, boum, faut le faire tant qu'on l'a en tête. D'ailleurs, on avait fait un pilote du coup il y a un an et on trouvait ça bien, donc on a essayé de creuser le truc. Puis justement, on a démarché des télés, on a essayé de faire, faire ça bien. Puis voilà, on voulait le faire, quoi. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'attendre. Tant qu'on a l'envie de le faire, on le fait, quoi. Mmh. Et donc, du coup, voilà, on est parti du coup sur le net. Et donc, ça a compliqué un peu les choses, mais on est parti comme ça. Mais on a plein d'idées. Enfin, on a des bloc-notes remplis d'idées de mini-séries, de trucs comme ça, qui sont peut-être très mauvaises, mais on n'a pas le temps de faire des tests, ouais. Donc ça serait bien d'avoir plus de temps, mais bon, on va pas se plaindre d'avoir plein d'idées et puis d'avoir la passion. En fait, l'esprit Klug est toujours dans nos têtes, quoi. C'est toujours l'esprit si on a plus le Zub à faire, on aura toujours des idées, on aura toujours de tourner des trucs, toujours envie de faire des vidéos et triper à faire ça parce que c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. J'avais le retour dans ce tournage. Et puis comme vous êtes des geeks, forcément vous êtes curieux, donc il y a toujours un sujet d'inspiration pour faire une connerie, un sketch, un machin. Ouais, non, il y a plein de choses. Il y a peut-être des très bons concepts, hein, ça se trouve, on a un bref qui traîne là dans un bloc-notes. Ouais. Eh ouais. C'est triste. Ah, ceci dit, voilà, je suppose qu'il a commencé comme ça. Hein, oui, voilà, c'est pas ça. L'idée de bref, Kian et son pote, ça a commencé comme ça, quoi. Donc, je pense à mon idée de film avec l'handicapé, tout c'est con, c'est un bon truc, je pense. Un truc, avec un qui sort de banlieue. Ouais. C'est un peu dégoûté, je pense. Sinon, moi j'avais une idée aussi, ça serait faire un film muet. Ah ouais. À l'époque du numérique où tout est lisse, machin, c'est faire un film muet en noir et blanc. Ça va pas, tu vois, je pense pas. Non, tu crois pas? Ça va quoi se vautrer, ça. Le mur, ça avec un mec qui a une gueule qui était assez expressive, tu vois, pour compenser justement le fait qu'il n'y ait pas de. Non, tu crois pas? Je le ferai pas. Et avec un chien? Ah, non. Ou juste un chien, Et une nana assez jolie? Ah, bah ça marche toujours par contre. Mais ça, c'est quand t'as pas une bonne idée, tu mets une nana jolie. Je vais en parler. Je vais passer 2-3 coups de fil, on verra ce qu'on. Je vous mets sur le coup et je veux bien, ouais. Une nana jolie, ouais. Ouais, d'accord. Pas pour le chien, sinon je. Chacun ses goûts. Bon, bah voilà, vous l'aurez compris, ces deux garçons sont vraiment talentueux et ont de la répartie. Ah bon? Et si, quand même, ouais. Donc, regardez le Zub, regardez Jules Fou, regardez toutes vos.
anciennes créations qu'on peut trouver. Si, regardez. Si, si. Parce que vous verrez aussi l'évolution. Et, voilà. On en a viré pas mal. On en a su. On leur sortira pour les casseroles de Charlie chez Arthur. On va rappeler rapidement. Ah, il y a des dossiers. On va rappeler rapidement où est-ce qu'on peut vous trouver. Sur Facebook. Yes. Oui, partout un peu. Hein. Même sur Google Plus. Allons, je suis pas toi. Allons, pas toi. Si je suis. Mais... je suis mort sur Google Plus. Si je suis sur Google Plus, parce que je suis partout. Hein. Alors allez-y, donnez les adresses. Facebook.com. Le Zub, du coup. Le Zub. Ouais, c'est facebook.com/lezub, tout attaché. Moi, c'est facebook.com/julefou officiel. Nu. Parce que j'ai eu la même, voilà, j'ai eu la même adresse de mettre Julefou pour mon perso. Donc si vous voulez m'ajouter sur mon perso, vous mettez juste Julefou et c'est moi. C'est des erreurs de jeunesse. Ouais, voilà. C'est triste, hein, mais voilà. Réputation. Ouais, Facebook beaucoup en fait. Ouais, Facebook. Et puis, il y a la chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube voilà, aussi. Tout ce qui doit slash le Zub aussi, youtube.com/lezub. Et bien, et pareil, slash Julefou, cette fois, pas officiel. Ah non, Julien Projoslin. Slash Julien Projoslin. J'ai perdu là. Ouais. C'est n'importe quoi, vous allez rien comprendre, mais allez-y. Tout ça est un petit peu confus, mais. Julefou.com, c'est bien aussi. Moi j'ai mon blog. On mettra ça en insert et puis en note de l'émission. Par là. Là, comme ça. Mais c'est bien. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et bah, continuez comme ça, nous on est fans. Ouais. Également, du coup. De même, nous sommes tous vous fans de ce que vous faites. De nos fans. Ah bah voilà, c'est une grande fanitude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez. Oh. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Dans mon voyage aux États-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau New Watch dans la main de la Statue de la Liberté. Avec 120 taillots de pierre, on a bourriné le flambeau à coups de marteau et de burin. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique New Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés, qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage, et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch!